Bonjour Ayala, bonjour Sandrine. Bonjour Charlotte. Le fil rose en fait de notre Octobre Rose a été cette année choisi à l'unanimité et il s'agit de l'art-thérapie sous toutes ses formes. Donc je vais commencer par Sandrine. J'aimerais Sandrine que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours de vie, ce qui vous a conduit jusqu'à nous. Ben, en fait, le cancer m'a conduit jusqu'à l'Institut. Enfin, si on fait raccourci, donc j'ai eu le cancer qui a été dépisté par Octobre Rose en 2018. Donc un cancer du sein. Un cancer du sein. Donc ensuite, j'ai eu opération, chimiothérapie, radiothérapie et maintenant, je suis sous hormonothérapie. Et donc moi, en fait, pourquoi je suis venue à l'art-thérapie, c'est parce que j'avais besoin, je ressentais le besoin d'être soutenue par rapport à ce que j'avais vécu, qui était assez dur, comme la plupart des personnes qui sont ici, j'imagine. Donc voilà, donc... Est-ce que l'art-thérapie a révélé des talents insoupçonnés ou est-ce que vous aviez déjà une propension Moi, je sais dessiner, mais ça n'a rien à voir. En fait, l'art-thérapie, c'est abordable par tout le monde. On n'a pas besoin d'être artiste, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire de l'art-thérapie. En fait, c'est vraiment, voilà, c'est... Ça vient tout seul. Ça vient tout seul, voilà, tout à fait. Ça vient tout seul et aussi avec Le talent d'Ayala, évidemment. Alors Ayala, tu es art-thérapeute à l'Institut Raphaël. Les art-thérapies regroupent pas mal de disciplines, mais toi, en l'occurrence, c'est plus art plastique. Oui, l'art-thérapie est une pratique de soins. Où l'art, effectivement, pour reprendre les propos de Sandrine, l'art est un moyen et la thérapie est un but. En fait, la thérapie va ajouter à l'art le projet de transformation de soi, là où l'art va ajouter à la thérapie la possibilité d'exprimer, en fait, de manière symbolique, toutes les grandes thématiques de la condition humaine. Tout simplement, nous avons tous à des degrés divers des difficultés à exprimer une émotion, un ressenti. Puis il y en a certains qui sont dans un impossible à dire, d'autres dans un mourir de dire, d'autres dans un marre de se raconter. L'art-thérapie intervient à ce moment-là. On va travailler sur la symbolique. Alors moi, j'ai une pratique multimodale. Il va y avoir du dessin, effectivement, du collage, du modelage, de la peinture, et avec des dispositifs qui vont être créés pour chaque patient. J'ai des dispositifs personnalisés. Donc quand tu nous racontes ça, on a l'impression d'y être et on ressent bien cette concentration et ce moment vraiment que vous passez en symbiose quand vous êtes avec vos patients, les art-thérapeutes. Alors, on a quand même vécu un énorme chambardement avec le Covid et le confinement. Ouais. Et tu as réussi à mettre en place un projet. Ouais. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est une aventure extraordinaire. C'est tous confinés, tous artistes. Bien sûr. Alors, grâce à la richesse de l'Institut Raphaël, on crée des projets transversaux. Et celui-ci a permis de voir le jour avec l'alliance d'une autre discipline qui est la danse-thérapie. Et on a gardé un lien avec des patients pendant près de 8 semaines où on a réussi à avoir des rendez-vous hebdomadaires avec d'autres acteurs de l'Institut Raphaël qui ont encouragé, qui ont encadré ce projet. On a quand même recueilli plus de 50 œuvres de nos patients, à la fois des aquarelles, des œuvres culinaires, de la broderie, sur papier, sur toile, sur carton entoilé. On a eu de la peinture, on a eu du modelage, on a eu vraiment une création extraordinaire avec un projet d'exposition. Est-ce que tu penses que le stress lié à cette période d'enfermement et au Covid s'est ressenti sur les œuvres qui ont été finalement finalisées ? Alors excellente question. Alors il y a certaines toiles où on voyait bien cet enfermement. Je repense à une artiste patiente qui a peint du Soulage, qui a fait des copies de l'artiste peint de Soulage. Elle était dans quelque chose de très cubique, carré, et elle me disait « je tourne pas en rond, je tourne en rectangle chez moi ». Donc sur certaines toiles, on va ressentir cet enfermement, là où sur d'autres, on voyait justement une évasion. Ouais. Donc effectivement, C'était pas sans lien, en tout cas. Non, voilà, c'est ça, c'est pas sans lien, tout à fait. Et Sandrine, vous avez participé à ce projet, oui. Alors est-ce que vous pouvez avec nous montrer ce que vous avez fait? Partie. Ouais, en fait, j'ai fait 3 toiles. En fait, les projets, c'était chaque semaine. Donc, il y avait un vrai challenge parce qu'il fallait chaque semaine trouver l'idée. Oui, moi, j'ai été ravie. Donc, voilà, j'ai participé 3 fois. Et là, c'est le premier donc, que j'ai fait.
Voilà, magnifique. C'est le premier, ça s'appelle Extraction de plaisir. C'était mes envies. C'est-à-dire, on était au début du printemps, c'était pas encore l'été, donc j'avais envie de l'été, j'avais envie de soleil. Puis j'ai envie de sortir, donc je vais prendre ma moto et je vais m'évader. Et donc mon dessin, c'est ça. Et puis ça finit par cette grosse pastèque qui évoque un sourire, parce que j'avais envie de sourire, j'avais envie de me dire, je suis en train de manger ma glace. C'est voilà, là qu'on se rend compte que ça. C'est vraiment une thérapie. C'est une vraie thérapie. C'est oui, c'est une vraie thérapie. Ça fonctionne beaucoup. De voir toutes ces œuvres sur le site. Oui, parce que là, on n'en a vu qu'une. On a vu celle de Sandrine, mais vous verrez. On a cette chance de pouvoir voir toutes les œuvres sur le site de l'Institut Raphaël. On a quand même recueilli plus de 50 œuvres. Mm. On vous invite vraiment à aller voir. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Bravo d'avoir fait exister l'Institut Raphaël en dehors de nos murs. Ouais. C'était une période un peu compliquée. Tant mieux que le lien ait pu être maintenu. Et je vous remercie pour votre présence et encore bravo pour votre talent, Sandrine. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci, Charlotte. Merci, Ayala. Merci, Sandrine. Merci, Sandrine.